c'est la première fois que notre organisation professionnelle, notre branche, s'organise pour faire en région une journée, enfin deux journées exactement, du matériel. Pour présenter le matériel, présenter les métiers, présenter les simulateurs de technique avec des moteurs, des pompes hydrauliques, pour montrer aux jeunes de quoi il s'agit vraiment pour qu'ils y prennent goût éventuellement. C'est un secteur qui maintient l'emploi et qui continue de chercher des jeunes pour leur proposer des emplois. Nous avons demandé aux écoles de la région de venir, plus l'AFPA bien évidemment, puisqu'il y a les jeunes, mais il y a aussi les reconversions. Et donc nous avons demandé à tous ces partenaires-là d'être présents aujourd'hui pour parler de leur formation aux jeunes. C'est important d'avoir des journées comme ça où on peut prendre beaucoup d'informations en très peu de temps. On peut évoluer sur du matériel de travaux publics ou de la maintenance même industrielle, j'imagine. Ça peut être des postes de techniciens, donc de maintenance en atelier, où les jeunes vont être amenés à faire de la préparation de matériel, de la remise en état de matériel et de l'entretien courant. On peut aussi avoir des opportunités de postes de techniciens SAV. Effectivement, c'est un métier où je pense un jeune peut s'éclater.